monde qui m'emmène ici de retour sur Outlast. Et je dois aller dans le bureau, si je me rappelle bien. Il y a le tout gros avec des chaînes qui veut me tuer. C'est ça, hein. Ah ouais, ma caméra est cassée. Enfin, il est juste là en plus. Je dois suivre le son. Mais le son, quand je veux y aller, c'est bloqué. Déjà? Oh, hé, ce mec a un gros dédain, quoi. Oh, 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 j'ai bugué, là. Il a à peine tourné le coin, là. Boum. Ok, je suis donc... Ah non, c'est pas ici. Ah oh, zut, c'est pas ici. Oups. Bon, après celui-ci, je vais quand même faire le DLC du Whistler. Whistleblow, je sais pas quoi. Whistleblower ou je sais pas quoi, là. Non, non. 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 Chiche! Ah. Et je vais faire le 2. Le 2, par contre, je le connais un peu parce que j'ai regardé la let's play dessus. J'ai jamais joué. Je sais qu'il y a une grande différence entre jouer à un jeu et le regarder. On n'a pas les mêmes peurs parce qu'on est. Ah, pas du tout dans l'univers. Oh, God. Alors, voilà. Il est passé à droite ou à gauche, là? Oh non! Move la porte! Non! Ah non, c'est ici que je me suis bloqué sur la chaise! J'étais bloqué sur quoi là? Sur une porte? Je me suis bloqué sur la porte. Et qui tourne à droite, je vais courir. Ferme la... Really? Moi, je vais vers le cadavre.
key to the house of God is in the theater, behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Hey! Children! I need your help! Where are you? Yes, coming! I'm coming! Tu fais de moi maintenant, je dois aller dans... Oh. Et où maintenant? J'en ai dans un triade pour aller chercher la clé. Et... C'est juste fou de moi, c'est pas possible. J'ai jamais vu autant de portes fermées. Ce jeu, c'est une foutage de tête. Phénoménal. C'est bon, maintenant il y a une clé cachée dans le théâtre. Tu es haut. C'est bon. Mais comment il sait que la clé est là, d'ailleurs? Comment... On est dans un hôpital psychiatrique avec des fous et mon personnage croise ce qu'un fou me dit. Bien. Mais quoi encore? Bonjour. Oh. Hannibal Lecter là. Il va venir me tuer, hein, c'est ça? Non. Ça c'est quoi? C'est quelqu'un? Non. Il va venir me tuer, hein. Cette saloperie de clé. Il était... Ah bah voilà, il va venir me tuer, hein. December 27th, 1985, in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 1486. Eh, je suis morte. Pardon. N'empêche, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le spectre. La folie, c'est qui parle du spectre. Ça fait longtemps. N'empêche, mon personnage, après avoir perdu deux bois, niveau 3, hein! Après, pas, ouais, comme je disais, après avoir perdu deux doigts, là, il est en pleine forme, hein! En franchement. Bravo! J'ai trouvé autre chose. Comme par hasard. Thank you.
Je suis où, moi? C'est pas eux qui me one-shot? C'est quoi en cours? J'ai pas envie de prendre mon temps. Ah bah ouais, c'est eux. Bon, t'as la clé, maintenant tu refermes la porte, hein? Ceux qui one shot. Oh non. Ouh! Oh, come on! Il m'énerve ce prêtre. Non, franchement, là, il commence à m'énerver ce prêtre. N'essaie. Come on! Ah non, non, franchement, je commence un peu marre, là, du prêtre, là, hein. Je suis dans un hôpital psychiatrique avec des fous qui veulent ma peau. Et mon personnage croit à un prêtre. Really? T'es là? C'est toi? Je sais même pas où je dois aller. Et n'empêche, pour un hôpital psychiatrie, ils ont pas mal de PC. Hein. Je peux pas monter là-dedans. Je peux pas aller dans les tuyaux. Trouvez-moi un let's play qui dise qu'on peut terminer ce jeu en 5 minutes. Oh, come on, really? Non, je sais même pas. Je dois aller. Really? Mais je suis au troisième étage là, non? Que tout le monde est en train de... là. Je suis pas au troisième étage là. Ok. Oh, j'ai jamais ouvert les toilettes dans ce jeu. Non. Non, je suis passé par là. Oh, dans ce... Quelque chose doit se trouver dans une de ces pièces. C'est toi? Hé! Hey, toi! Et où, prêtre? Oh, j'ai pas ouvert celui-ci. Ouh. Oh, God hates sickness, okay. Bon.
What the hell? C'est pas les deux là qui veulent me tuer? C'est les deux qui veulent me tuer. C'est lui le prêtre. My job. You alone shall escape the Talva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. C'est lui le vrai prêtre, c'est ça? Je suis en train de suivre un feu furieux. Ça. Je suis en train de suivre un feu furieux. Oh, j'enregistre, apparemment. J'enregistre quelqu'un qui brûle. C'est bien. Toi, vous deux, là, les one-shotters, là, vous m'avez fermé la porte au nez. Et je suis pas passé. Ok, je suis bloqué dans une chapelle avec des feux furieux. Qui veut ma peau. Ouais, ça va, c'est bon, on dramatise pas trop. Oh, vous deux, là. Comme ça, j'aurai un peu de temps de vous échapper. Il est bien, hein, mais il devient légèrement chiant. Je parle du jeu. Hein. Maintenant, il veut ma peau. Eh bien. Ah, oh, j'ai une... Par où me cacher? Voilà, je suis morte. Et j'ai nulle part où me cacher. Bah voilà, je suis morte. Allez! Je m'en vais jusqu'au moment que je dois monter, descendre pour un prêtre. Je m'en vais avant ça. Hein. Mais non, en réalité, ça m'énerve. Tant oui, ça me fait peur, mais ça commence à devenir chiant. Je peux même pas me cacher. Le bol que j'ai, on va encore me dire encore un commentaire. Ah ouais, pleurnicheuse. Monte. Il est où? Moi je descends pas tant que je sais pas où il est, hein. Moi je reste là-dessus, je peux pas utiliser les tuyaux tout le temps. On va descendre, j'ai pas le choix. M'énerve.
Bon, j'espère que c'est bon maintenant, hein. Non. Pourquoi je descends? Je dois monter! Viens pas me dire que j'étais déjà au troisième étage, hein, parce que je vais vraiment pas être... Ah bah voilà! Voilà, laisse tomber. Ouais. C'est bon, je... Nouveau sorti. Bah bah c'était bien le prêtre que j'ai vu cramer alors. Je suis monté pendant deux autres vidéos, plus celui-ci, trois vidéos en fait. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, juste pour le voir cramer. Tu fous de moi? Non. Je viens de... Ouais. J'ai fait... En réalité, j'ai fait tout ça pour rien. En sachant que je pouvais trouver une autre sortie. Depuis le début. Je me suis tapé un spectre. Qui, à un moment donné, à l'autre, m'a fait quand même un bon peur. Je me suis tapé une cafétéria en flammes. Un mec qui me sursaute, que j'ai cru que j'allais vraiment, vraiment voir une crise d'angoisse. Un gros qui arrête Hulk, Multan, Hulk, là, ou je sais pas quoi, là, qui m'a tué je ne sais combien, je sais pas combien de fois dans ce jeu. Deux mecs à poil qui me one-shot. Pour voir un prêtre se cramer et trouver une autre sortie. Really? Ah, tu me déçois, là. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Quand je joue aux deux, j'espère que c'est pas aussi chiant. Hein. Ouais, ouais. Ouais, faisait des expériences. Et Dom, comme j'ai dit, je te hais. La sortie est là. Par contre, ça se s'ouvre. Oh, il va y avoir une couac quelque part. Enregistre, enregistre. Franchement, Et laisse-moi deviner, je vais voir des mutants ici aussi. C'est ça? Voilà, bah voilà! Quoi? C'est ça le spectre. Je suis blasé en fait. C'est pas une blague.
Ouais. C'est le pire, c'est que le gros m'a même pas fait peur. Moi, alors j'ai entendu une voix. Bah, je sais pas si je vais dans le bon sens, hein. Ah bah effectivement, je viens de faire tout ça pour rien. J'ai entendu une voix, non? Je pensais que la voix venait par ici, quoi. Non, mais comme j'ai... Oh! Non, c'est toujours les Allemands. Ne cherche pas à faire mal, de fou de moi, il m'a déjà tué, il a tué le gros. Il tue tout le monde. Il veut pas faire mal. Oh, bien, c'est toi qui devais être là-haut, hein. Va faire pipi, dépêche-toi. Arrête de parler. Tout de suite. Bon. Ah, pipi fait. Voilà. Bon. Si Billy t'aime et qu'il veut pas te tuer, pourquoi c'est pas toi qui va le tuer? Bah, ce jeu m'a complètement perdu. Hein? Avec cette histoire de prêtre, parce que pendant... Bon, presque... Ouais, trois vidéos, monter, descendre, finalement, pour le voir cramer. Et le spectre, en fait.
Voilà. Ça m'a... Ah ouais, non, c'est pas par ici, je crois. Non, il m'a... légèrement déçu, j'aimais bien l'aspect de rester en haut, là, ta psychiatrie, dès que tu tournais le coin, là, au tout début, que tu savais pas ce que t'allais avoir, tu vois, le cadavre qui me tombe sur la tête au moment même. Des trucs comme ça, quoi. Là, il m'a eu. Mais... après cette histoire de spectre et tout ça, hein, franchement, ça m'a... le spectre m'a fait peur qu'une seule fois, en fait. Sans plus. Mais comme je dis, ça, c'est mon point de vue personnel. Hein. Le jeu, il est bien. Franchement, il est bien. Il te tient et tout, hein. Mais je suppose que je dois courir d'un... maintenant, je dois me cacher d'un spectre. M'impressionne pas du tout. Ouais, non, c'était les chiottes. Là, on vient de crever. Il est venu par là. Mais tu m'ouvres cette porte et prends pas ton temps! Je suppose, hein. C'est un spectre, tu peux traverser les murs, alors dépêche-toi. Il va me tuer. Mais non. Oh. Non. Ah bah c'est lui. Le pauvre. Ça pouvait pas juste être là. C'est... combien de fois il va me tuer avant que j'arrive à le... lui tuer. Oh, come on! Lui tuer. Ça va être ça, hein. Va me tuer 50 fois avant que je puisse appuyer sur le bouton. Ah, la porte est ouverte. Oh oui, non, c'est mon café. Là, par contre, j'ai peur. Je me dis, ça y est, quelqu'un dans ma... quoi? Ah. Ok, bah j'ai rien... ah, c'est ça. Voilà, il est mort. Ah bah voilà. Génial. C'est maintenant qu'il va me tuer 50 fois.
pas avoir peur comme ça. Hein. Non ? Quoi ? Que c'est le spec qui me tue, je me suicide. Pas si je vais où je vais, juste hein, parce que je trouve ça un peu long pour essayer de tuer quelqu'un. Really? Est-ce que je viens de faire tout ça pour rien? Pour ça? Je te tournerai descendre. Non mais, et pire c'est que j'ai déjà joué des jeux où tu devais faire 50 milliards de trucs juste pour faire un truc, sachant que si tu brises la capsule, je parie que ça fonctionne très bien. Oh c'est chiant. Ah, je vais avoir peur là. Ah oui, moi je tombe, je meurs. Billy me saute dans tous les sens et tout ce qu'on veut. Je meurs pas. Je sais pas quel jeu, je me rappelle plus c'était quel jeu qui était comme ça aussi, j'ai abandonné le jeu. C'est pas une blague. Fais un jeu comme ça aussi, puis tu devais faire 50 milliards de trucs pour un truc, et je l'ai abandonné. J'ai même pas fini. Je suis déçu du... Si ça c'est la fin, je suis un peu déçu. T'es où la sortie? Je veux voir le panneau s'il y avait marqué un sorti dessus. Non. Ben Billy en moi, alors pourquoi je prends mon temps? Je peux pas voler? Si c'est la fin, je suis un peu déçu, mais ça m'explique pas le 2 alors.
Ou est-ce que le 2 n'a absolument rien à voir avec le 1? Ou est-ce que moi je vais devenir complètement fou aussi? J'expliquerai pas mal de trucs quand même. Hein. Non, mais sinon c'est pas mal quoi. C'est pas mal, franchement. Comme j'ai dit, le début est pas mal, mais les trois dernières vidéos que j'ai faites, je me suis ennuyée en fait. Il y a quelques fois que j'ai eu peur. Stress, mais après ça. Sans plus quoi. Ben voilà, c'est tout. Apparemment, c'est tout. Comme je dis, sinon, franchement, j'aimais bien l'atmosphère qu'on était au début du jeu. J'ai commencé à avoir être un peu blasé avec cette histoire du prêtre. Mais ça s'est vu dans la dernière vidéo. Ça s'est vu que j'ai commencé à en avoir marre, je commençais à être fatigué et tout ça en même temps. Je suis déçu du fait qu'on était obligé de trouver un prêtre pour rien. Finalement, le perso qui tu joues n'est pas... Ils auraient dû mettre limite, toi, un genre de truc d'un... Est-ce que je vais le faire? Toi, il se doute, un doute. Je suis quand même dans un hôpital psychiatrique. Est-ce que je vais quand même suivre ce prêtre? Toi, vu qu'on a suivi le médecin, toi, à partir de là, il devait quand même se poser certaines questions. Voilà. L'histoire du... ce spectre-là... Là, par contre, oui... quand j'ai vu la première fois dans le jardin, ouais, je me demandais c'était quoi. Et quand j'ai compris que c'était un spectre, bah, ouais, ok, une fois il m'a fait peur en passant comme ça, mais sans plus. Tu m'as complètement perdu avec l'histoire du prêtre. Là, à la fin, je suis un peu déçue. Peut-être pas le fait qu'il se fait tirer dessus, mais. Non, parce que c'était. Pour moi, c'était légèrement incompréhensible, parce que comment ça se fait que le spectre était en haut? Hein? Et qu'on arrive ici dans la cave, bon plutôt la cave, le côté souterrain, on voit des cadavres partout, tout est mort, mais quand le spectre était en haut avec moi, rien. Il faisait rien, il tuait personne, il n'a pas essayé de me tuer, ni quoi que ce comment, et là tout d'un coup il essaye. Voilà, tiens, pourquoi le spectre n'a pas pris possession du tout gros? Donner un petit truc en plus, quoi, je sais pas. Yeah. Ouais. Bah, je vais faire le DLC, bah, justement, de Whistleblower. Je vais faire le DLC qui va avec. Peut-être ça va me répondre à certaines questions. Mais comme je dis, j'aimais bien le début, mais les trois dernières les deux dernières vidéos inclus celui-ci. Non, sans plus. Malgré que j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur, mais. Sans plus pour la fin. Quel dommage. Parce que tu m'as eu. Franchement, tu m'as eu. Ben voilà. Bon, sur ce, bisous, bisous.